Yo, alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire rapidement le son de Dr. Yaro featuring NASA et K-Black. Donc tu commences par mettre ton tempo à 114 et comme tu peux le constater, nous sommes sur FL Studio. Tu mets un snare. J'ai mis deux snares pour pouvoir donner un peu plus de puissance. Voilà, après avoir mis un snare, on va mettre un cheese. Un cheese, tu le prends dans Purity. Voilà, Fatsin, tu prends celui-ci. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait comme configuration ici? Tu vois que le paramétrique a intervenu. J'ai coupé les zones de basse, j'ai coupé les zones aiguës. J'ai laissé uniquement les zones du milieu pour pouvoir avoir cette sonorité-ci. Tu peux mettre des petits hi-hats, des trucs comme ça. Avec des trucs aussi comme ça. Tu vois, assez simplement, une fois que tu fais ça, tu mets des voix. Donc là, ça dépend de toi. Il y a plusieurs version dans Purity. Comment tu vas la trouver? Tout simplement dans Purity, tu t'envoies dans Drum, tu prends ça et ensuite tu et maintenant ça c'est une guitare en fait que tu vas trouver dans Nexus. Voilà, BVP XP, c'est Nexus 2. J'étais lonely. Et après avoir fait ça, tu mets un kick, un pied, tout simplement. J'ai un kick afro qui est disponible dans le drum kit en téléchargement gratuit. Clique juste dans le lien dans la description pour télécharger ce drum kit. Voilà. Et ensuite, tu mets le kick sur le snare, ça donne ça. Donc après avoir fait ça, tu vas maintenant mettre la mélodie. Donc Purity 3, tu prends cette guitare-ci, guitare et pluguette, AC Steel Amp. Voilà, ensuite, quelle est la configuration qui a été faite? J'ai mis un paramétrique, j'ai soulevé les zones aiguës, comme ceci. Voilà, pour que tu puisses bien voir, j'ai mis de la reverb. Et ensuite, j'ai mis du delay bank. Du delay bank, c'est l'écho. Tu mets toujours ton delay bank à 4. Voilà, et ensuite, tout simplement, tu fais jouer le tout ensemble. Maintenant, comment j'ai disposé les notes? Donc ici, cet effet, tu vois, il est disponible dans le drum kit en téléchargement. Clique juste dans le lien dans la description pour avoir ces différents drum kits aussi. J'ai ajouté une deuxième guitare prise dans Nexus pour apporter un peu plus de maturité et de sensation de life. Voilà,
Donc, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est composition de beats afro, composition de beats trap musique, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Tu pourras télécharger là-bas gratuitement des séries de vidéos qui vont t'accompagner dans ta composition, que tu sois débutant, amateur ou que tu ne connais pratiquement rien sur FL Studio. Sur ce, on se prend de l'autre côté. Ciao.